Bonjour, je m'appelle Mickaël Chandin, j'ai 46 ans, je suis ingénieur en mécanique et je rejoins Arcus en novembre 2021. J'adore les produits qui sont technologiques et l'innovation. Dans ma carrière, j'ai déposé une quarantaine de brevets. Et quand j'ai rejoint l'entreprise et qu'on m'a proposé de travailler sur Scarabée, qui est la vitrine technologique de l'entreprise, j'ai tout de suite accepté. En 4 mois, nous avons dû remplacer les portes coulissantes par des portes battantes. Donc c'était un véritable défi car ce prototype n'était pas du tout conçu à l'origine pour recevoir en fait des portes battantes. Donc nous avons mis tout notre savoir-faire et moi, ça m'a permis de faire mes preuves dans l'entreprise. Et ce véhicule a été proposé au salon Aero Satori et il a été salué par l'ensemble des visiteurs. Après avoir travaillé plus de 20 ans dans l'industrie automobile, dans une multinationale, j'ai choisi d'ouvrir ma carrière et de rejoindre le milieu de la défense. Donc mon intégration s'est très bien passée. Ici, tout est plus gros, tout est plus lourd, on est dans une autre échelle et nous devons en fait la qualité à nos clients pour que les véhicules que nous concevons résistent à toutes les agressions extérieures en toutes circonstances. Recruté comme ingénieur métier, je travaille dans l'équipe châssis équipement cabine, qui est une véritable PME au sein de la business unit et du bureau d'études, puisque dans notre équipe, nous concevons 60% des pièces du véhicule qu'il compose. Après 18 mois dans l'entreprise, je peux dire que je suis ravi en fait de ma transition professionnelle. Je travaille avec des gens qui sont passionnés, engagés et motivés au quotidien.